Nous voici donc à proximité de la nouvelle route du littoral, gratuite, moderne, sécurisée. Un grand chantier réunionnais. La Réunion que nous construisons ensemble, oui, merci. Alors voilà le premier pavé qu'ils ont inauguré au mois de décembre 2013, l'ex-futur président de région de Robert, Didier. Alors, on a construit cette route, ou on veut construire cette route à 2 milliards et quelques, pour, après avoir annulé quelque chose qui existait depuis très longtemps à La Réunion. Et il y en a encore quelques séquelles, si on peut dire, mais bien cachées. Et c'est pas là-dessus qu'ils se sont recueillis quand ils ont fait l'inauguration du pavé. Voilà. Alors voilà ce que c'était. Voilà, là-bas il y a un petit tunnel. Et en fait, c'est l'ancienne voie ferrée qui faisait une partie de La Réunion. Et à l'époque, on était presque plus rapide que maintenant, il y a presque un siècle, on va dire, pour faire une partie de l'île. Voilà, ça c'est La Réunion longtemps, ça. Et c'était pas des réunions à 2 milliards. Voilà, un peu de végétation. Voilà, dessous, un vieux pont. Voilà, la route en corniche. On n'aurait pas pu faire hein, un site en tram. Un tram d'abord, avant toute chose, transporter le pauvre. Non, 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 non. On veut mettre 2 milliards pour faire travailler la GTOI, Vinci, Bouygues, tout ce que vous voulez. Bien réunionnais tout ça, bien réunionnais. Voilà. Ben, recueillons-nous sur ces rails.